très peu, quelques heures par semaine. Et je suis aussi maman de deux fils adultes de 23 et 27 ans. Et je suis l'heureuse grand-maman d'un garçon de 15 mois que je regarde grandir avec grand, grand plaisir. Eh bien, c'est effectivement aussi important qu'on évoque cette expérience personnelle de la parentalité parce qu'elle vient aussi nourrir notre regard. Et donc, le souhait, c'est qu'on voyage avec toi au cœur, au fond de l'attachement, de ce qui a fondé, nous, en tout cas, le concept de l'Institut de la parentalité en France. On s'est bien sûr beaucoup inspiré de vos travaux qui sont présents depuis longtemps et dans vos évaluations, dans votre manière de le mettre en œuvre. Tu investis depuis des années le champ de la recherche autour de l'attachement avec des intérêts sur toutes les interventions basées sur l'attachement qui concernent l'ensemble des figures parentales, pas forcément les parents, mais aussi les éducateurs, les familles d'accueil. Tu as travaillé sur attachement et placement. Et j'avais d'abord envie de te demander finalement quelle place la théorie de l'attachement prend dans ta pratique et plus globalement ensuite dans vos pratiques au Québec. Mais dans ma pratique, c'est maintenant très, très central, hein. Je vais vraiment privilégier une perspective intersubjective au niveau de ma compréhension, autant des difficultés, des problématiques. C'est sûr que pour moi, maintenant, la relation par enfant et surtout l'attachement, c'est devenu un incontournable. Bon, la recherche nous l'a montré à quel point c'était un facteur primordial à considérer et un facteur de protection aussi quand on réussit à favoriser un attachement le plus sécurisant possible. Donc, c'est vraiment au cœur de ma pratique et j'essaie aussi de placer ça un peu au cœur de ma vie, dans le sens où quand on s'intéresse à l'attachement, ça vient effectivement nous chercher comme personne dans notre histoire, dans nos rôles familiaux. Alors j'essaie aussi de garder tout ça très présent dans ma vie au quotidien, mais c'est certain qu'au niveau de la pratique, c'est très, très central. J'avais commencé à m'intéresser à l'attachement. En fait, on avait reçu une formation quand je travaillais. Avant d'être à l'Université de Sherbrooke, j'ai travaillé pendant près de 18 ans dans un centre de protection de l'enfance. Et on avait commencé à s'intéresser à l'attachement. Notamment parce que on avait des enfants donc placés en famille d'accueil qui retournaient dans leur milieu. On a les enfants qu'on appelait les enfants il y avait une expression, les enfants ballottés, hein, qui se promenaient d'un milieu à l'autre et qui finissaient par perdre leur capacité d'attachement, ou en tout cas dont les capacités d'attachement devenaient très, très hypothéquées. Alors, c'est comme ça qu'on s'est intéressé à l'attachement et qu'il y a eu un projet de recherche qui a émergé dans mon milieu de travail, dont j'ai finalement pris le leadership en retournant compléter mon doctorat avec cette étude-là. Mais au travail, mais très rapidement, bon, on s'est intéressé à l'attachement, on a voulu évaluer l'attachement des enfants, mieux comprendre, mais rapidement, la question qui se posait, mais comment on va aider ces enfants-là, comment on va aider les personnes qui s'en occupent aussi. Donc, effectivement, il y a eu tout cet intérêt-là pour travailler avec les parents substituts, les éducateurs dans les milieux d'hébergement des enfants se sont aussi beaucoup intéressés. Et à ce moment-là, le programme Cercle de sécurité parentale était à ses tout débuts et ils avaient besoin, moi j'avais suivi la formation qui était à l'époque pour le programme intensif qui se donnait, là, donc ça veut dire 20 semaines, un programme très exigeant au niveau de la formation et aussi au niveau de l'offre de services. Mais donc les auteurs avaient commencé à travailler sur un programme plus accessible avec sur support DVD, maintenant plus vidéo, le cercle de sécurité parentale. Ils avaient besoin de le tester avec différents groupes. Alors, nous, on l'a fait avec un groupe d'éducateurs en hébergement auprès des enfants 6 à 10 ans. Et les éducateurs, quand je les revois, ils m'en parlent encore à quel point ça a pu changer leur pratique, changer leur façon de faire. Hein,
finalement, ce qu'on faisait, ce qui était déjà un peu le cas, mais ça permettait comme de remettre la relation au cœur de l'intervention pour les, au niveau de la réadaptation, de la psychoéducation chez nous. Donc, ça a été vraiment à travers cette expérience-là que je me suis intéressée davantage au programme Cercle de sécurité parentale. Au Québec, à ma connaissance, c'est beaucoup à travers les centres de protection de l'enfance que l'intérêt pour l'attachement a grandi, compte tenu que, justement, de tous les impacts des séparations, l'importance d'aider ces enfants-là à créer de nouveaux liens ailleurs. Et il y a eu aussi, en 2007-2008, des modifications à la loi sur la protection de la jeunesse qui ont mis vraiment de l'avant l'importance de l'attachement et la notion de parents psychologiques, non seulement de parents biologiques, et aussi toute l'importance de faire en sorte que les enfants puissent se faire des racines, vraiment développer leurs racines dans des nouveaux milieux. Toute la question de la stabilité des liens, la continuité des soins. Donc, tout ça a été mis de l'avant avec l'attachement encore là, vraiment en trame de fond. Donc, je dirais, c'est ça, il y a eu cette... J'ai vraiment le sentiment que ça a passé beaucoup par les centres de protection de l'enfance avec des enfants donc en très, très grand besoin. On parle souvent d'attachement. Est-ce que toi, tu pourrais nous embrosser un petit peu la définition? Parce que aujourd'hui, c'est un terme qui veut dire beaucoup de choses et parfois, on s'éloigne de la définition très rigoureuse qu'en a donnée John Bowlby et qui, à mon avis, justifie qu'on s'y repenche. Donc, comment tu pourrais, toi, nous définir l'attachement, Claude? Ben, l'attachement, c'est vraiment un lien privilégié, sélectif, particulier qu'un enfant va développer presque de façon presque automatique avec là où les personnes, quelques personnes quand il est tout jeune, qui prennent soin de lui vraiment au quotidien de façon assez continue. Et ce lien-là, ce qu'on souhaite, c'est qu'il soit vraiment une source de sécurité, de réconfort, qui permette d'abord et avant tout à l'enfant de développer ce sentiment-là qu'il a quelqu'un vers qui il peut se tourner en cas de besoin, qu'il soit un peu stressé, qu'il ait peur, qu'il ait juste besoin de refaire contact, qu'il sache qu'il y a cette personne-là qui peut jouer ce rôle-là, justement, de refuge. Et aussi, une fois que ce besoin-là de proximité est suffisamment comblé, ben, la figure d'attachement devient ce qu'on appelle une base de sécurité à partir de laquelle l'enfant va aussi avoir confiance qu'il peut aller explorer son environnement. Et c'est là, je suis en train déjà de faire le cercle. Hein? Donc, on a vraiment l'enfant qui explore une fois suffisamment rassuré, qui explore et qui revient ensuite et qui va faire comme ça, main et main circuit, hein, pour s'éloigner un peu puis se rapprocher de sa figure d'attachement. Et c'est au fil de tous ces tours de piste-là, hein, et c'est sûr en fonction des réponses qu'il reçoit. Est-ce que la figure d'attachement est vraiment capable de l'accueillir quand l'enfant vient vers elle? Est-ce que la figure d'attachement est capable aussi d'encourager l'enfant à aller explorer son environnement avec confiance tout en restant disponible, tout en restant présente? Alors, c'est au fil de ces interactions-là que l'attachement va se développer chez les enfants. Et c'est toujours intéressant maintenant, une des choses que ça a changé dans ma pratique, maintenant, même avec des adultes, c'est maintenant une question que je vais leur poser. Quand vous étiez jeune, vers qui vous pouviez vous tourner quand vous aviez peur, quand vous étiez inquiet? Qui était là pour vous? Qui était là pour vous consoler? Et maintenant, vous êtes adulte, qui est là pour vous en cas de besoin? Donc, toute cette notion-là d'avoir quelqu'un vers qui on peut se tourner, c'est excessivement important. Notamment tout au niveau de toute la question de la co-régulation, quand on est aux prises, que autant les tout-petits, les grands-enfants que les adultes, quand on vit des choses trop difficiles, on a besoin que quelqu'un soit là pour nous aider à nous réguler. Hein? Donc, c'est vraiment ce cadeau-là précieux d'avoir développé cette confiance-là qui fait en sorte qu'ensuite, ces nouveaux liens-là sont plus faciles aussi à créer au cours de la vie. Merci, Claude.
J'ai entendu un mot qui fait résonance et que je trouve très intéressant que vous utilisez plus facilement. Nous, ce n'est pas des choses qu'on dit. Tu as parlé de parents psychologiques. J'entends aussi, quand je travaille avec tes collègues, parler de parents d'accueil. Nous, en France, on a encore cette identité très biologique autour du lien. Et je trouve que l'attachement nous ouvre à élargir cette compréhension et justement d'imaginer comment l'environnement de l'enfant va le sécuriser et que c'est bien au-delà du lien biologique. C'est très intéressant que vous puissiez même dire parents d'accueil. Oui, c'est vrai. Oui, effectivement, on utilise ce terme-là. Puis, je vais vous dire que c'est quelqu'un de chez vous, hein, c'est Maurice Berger qui avait écrit beaucoup sur la notion de parents psychologiques, il était venu justement visiter nos milieux, les milieux de protection de l'enfance, et avait aidé, je pense, à faire avancer toute la pensée clinique autour du placement et autour de la création de ces liens-là. Mais oui, c'est une notion excessivement importante et c'est difficile parce que ça va un peu à l'encontre des expériences de la vie de tous les jours. Hein. Nous, on est convaincus que le lien psychologique ou le lien affectif se construit d'abord sur le lien biologique parce que c'est l'histoire habituelle, alors que ce n'est pas le cas, effectivement. Hein. Et ça me fait penser, justement, cette semaine, j'avais en consultation des parents d'accueil qui ont pris un petit garçon et ils vont utiliser le terme ta maman de ventre. Hein, ta maman qui t'a mis au monde, puis et nous, moi je suis ta maman de cœur ou je suis ta maman de soins. Alors, ils essaient aussi, ça fait partie un peu dans les centres de protection de l'enfance, on va essayer aussi d'expliquer aux enfants en situation de placement ces différences-là. Oui, C'est vrai que ça vient bousculer les choses. Tu vois, nous en France, on commence à travailler sur la notion de délaissement parental ou cette dimension très, très juridique parce que chez nous, les enfants gardent finalement, il y a une prédominance de ce lien biologique. Il y a des placements, mais qui ne mettent pas en question finalement le lien biologique et on peut voir à quel point ça peut les insécuriser dans des ruptures itératives, dans des décisions judiciaires itératives qui suspendent en fait le système d'attachement de ces enfants-là et dont on voit aujourd'hui en tout cas une évolution vers de la pathologie, de la psychopathologie qui nous interpelle. Donc je pense que vous avez fait déjà un gros travail dans ce domaine-là, vous. Oui, mais ça reste compliqué. Hein. Je vous dirais que même les enfants qui sont placés à long terme, il y a toute la question ensuite des contacts avec les parents biologiques. Hein. Là, il faut trouver un équilibre. C'est pas simple. Il y a une époque où on pouvait dire aux familles d'accueil, bon, vous allez vous occuper des enfants, mais il ne faut pas trop vous attacher. Et je me rappelle Hélène Moss, qui a été vraiment une de nos figures de proue en attachement au Québec, avait proposer une expression qui est assez imagée en disant on ne peut pas mettre les enfants dans un congélateur d'attachement. Quand on place un enfant dans une famille d'accueil, on peut pas, il ne peut pas juste être en attente, être en suspens. Il faut effectivement permettre. Et d'ailleurs, il y avait eu des recherches il y a maintenant plusieurs années. Il y a Mary Dozier au Delaware, aux États-Unis, qui avait justement qui avait développé le programme ABC pour les familles d'accueil qui visait justement à favoriser un attachement sécurisant. Et c'est le programme sur lequel c'est un peu basé l'intervention relationnelle au Québec. Hein, c'est Oui, parti de ce programme-là. Et ce que Mary Dozier avait trouvé, c'est que le facteur de succès le plus grand pour le placement d'un enfant et son développement, c'était l'investissement affectif des parents d'accueil. Donc, c'est vraiment un élément très important. Donc, on souhaite maintenant favoriser cet investissement-là de la part des figures substituts. C'est clair, hein? Mais ça heurte. Il y a encore des juges, des intervenants encore là, je reviens à Maurice Berger qui parlait, et ça aidait de mettre des mots sur cet obstacle-là, qui parlait de l'idéologie du lien biologique. Alors, une fois qu'on l'identifie, qu'on le nomme, on peut travailler davantage avec cet obstacle-là. En tout cas, vous avez une formation qui est importante, enfin relativement, qui permet d'avoir un socle commun et aussi la loi, la transformation de votre loi a permis aussi que cette conscience du besoin de sécurité de l'enfant fasse partie de vos préoccupations et requestionne le système en fait.
Oui, et j'ai moi, mon impression, c'est que ça prenait une loi parce que c'était trop vécu comme trop violent pour des juges, pour des intervenants de briser, entre guillemets, un lien biologique. C'était vraiment comme c'était quelque chose d'effrayant à faire. C'était impensable et difficile à penser, justement. C'était un sacrilège. Alors, de l'encadrer par la loi, ça a beaucoup facilité les choses. Mais tout n'est pas réglé. Comme je vous disais, ce qui reste encore compliqué souvent dans certaines situations, c'est la question de comment va être maintenu le lien avec, par exemple, les parents biologiques. J'ai envie de citer un travail que tu as fait dans un livre qui s'appelle Pratiques innovantes auprès des jeunes en difficulté. Tu as écrit un des chapitres que je vous invite à découvrir. Et tu dis que le domaine de l'attachement ne constitue pas une approche ou un courant parmi d'autres, mais bien une dimension fondamentale du développement de l'enfant. Et je trouve que ça invite à ce que tu viens de nous partager, c'est-à-dire que c'est presque violent de devoir penser au-delà de représentations qu'on a pu construire, de certaines idéologies, comme le dit Maurice Berger. Nous, on voit comment cette mise en application, ou même cette connaissance un tout petit peu plus abordée en France de l'attachement, vient profondément questionner tant de pratiques entre les placements, les visites médiatisées, les séparations. En fait, tout se revisite à la lumière de la théorie de l'attachement. Et je te rejoins sur cette dimension, d'où peut-être des résistances aussi, de se dire, ben oui, on va l'investir. Mais je trouve que c'est important qu'on puisse revenir sur ce point que tu évoques de cette dimension fondamentale du développement de l'enfant. Oui, ah oui. Et c'est pour ça que quand on avait fait beaucoup de travaux à l'époque avec l'Association des centres de protection de l'enfance, c'était vraiment, je me répète un peu, mais au cœur de l'intervention, la relation, c'était vraiment de revenir à la relation, à l'importance des échanges humains, à vraiment toute la. Le caractère précieux du contact, de la proximité avec les éducateurs. Il y avait aussi, je donne un exemple, un des exemples quand même assez importants, influencé un peu par les courants plus comportementaux. Il y a des éducateurs, par exemple, qui disent, ben non, je peux pas aller m'occuper d'un enfant en crise, je vais renforcer sa crise. Alors que quand on s'est mis à travailler avec l'attachement, là, c'était, mais c'est dans ces moments-là qu'il a le plus besoin de moi. Donc oui, je vais être à proximité, viens près de moi, je vais t'aider. Tu n'es pas capable de te reprendre, de te calmer, de t'apaiser. Donc, et c'est un des messages qui est transmis au sein du programme Série de sécurité parentale. Quand les bons enfants font de mauvaises choses, quand ils se comportent mal, ce sont les moments où ils ont le plus besoin d'adultes. Donc, c'est ce changement-là de paradigme très important qu'on a souhaité qu'il puisse s'opérer auprès des intervenants. Mais il faut savoir aussi que ça vient ensuite jouer personnellement, hein, si moi, je peux bien dire, bon, ben moi, je vais essayer d'être là pour cet enfant-là, mais ça va aussi venir faire résonner mon histoire. Moi, quand ça ne va pas bien, est-ce que quelqu'un est là pour moi? Est-ce que quelqu'un a été là pour moi? Et ça nous fait aussi revisiter, et ça peut être quand même tout un travail de dire, oui, mais ben là, si je fais ça comme parent, comme intervenant, mes parents, moi, ont fait différemment, alors est-ce que c'est un désaveu par rapport à mes parents? Alors, ça vient brasser bien des choses, comme on le dit. Oui, et puis je pense que ce que tu questionnes aussi, c'est nos fonctions de caregiver, en fait. Quand on est dans je prends soin des autres, y compris sur cette place d'éducateur ou toute autre personne qui prend en soin, prendre soin de ces publics-là. Et moi, je trouve que c'est passionnant, justement, que cette théorie d'attachement, elle questionne autant notre compréhension quand on est des professionnels du comportement des enfants ou des familles qu'on reçoit que de notre propre éprouvé pour que notre posture de caregiver soit requestionnée, mais sans jugement. Moi, je trouve la richesse de la théorie de l'attachement dans le fait qu'elle nous permette d'objectiver notre sécurité ou notre insécurité qui nous décale de notre performance ou de nos compétences, mais juste de est-ce que je me sens assez sécurisée pour pouvoir sécuriser à mon tour cet enfant? Et je trouve que ces niveaux intriqués sont particulièrement passionnants à interroger.
Oui, tout à fait, tout à fait. Et quand on travaille avec les parents, on s'intéresse beaucoup à ce processus-là parallèle, hein, comment moi je peux accueillir un parent, être empathique, être bienveillant, tenter de devenir justement un refuge pour ce parent-là, pour qu'il puisse se sentir en confiance. Comment je peux devenir une base de sécurité pour permettre aux parents d'explorer des nouvelles façons de faire. Donc, et ensuite, pour que ce parent-là puisse transmettre cette expérience-là à son enfant. Donc, il y a toute cette notion-là de processus parallèle. Donc, ça nous implique beaucoup comme professionnels, comme intervenants. Oui, moi je dis toujours que l'attachement c'est une fusée à plein d'étages et que en fait il y a tant de questionnements et même plus généralement, je pense qu'on en parlait juste avant le webinaire, mais de cet impact de crise sanitaire, de cette insécurité globale, de ce sentiment de désorganisation. Tu m'as dit qu'il y avait des études importantes qui étaient faites par rapport à ce sentiment-là, mais on touche bien chacun comment cette absence de cohérence, comment cette insécurité vient désorganiser et déstabiliser notre équilibre émotionnel. Je trouve que ça, c'est une vision aussi un petit peu plus large, psychosociale de la théorie de l'attachement. Je trouve que c'est aussi un étage de la fusée. Tu en penses Oui, quoi? tout à fait, tout à fait. Nous, on a des questions aussi par rapport, souvent, tu parlais justement de s'attacher ou pas s'attacher, ou est-ce que je m'approche de cet enfant qui va pas bien? On a beaucoup de professionnels qui nous questionnent aussi sur la distance, parce qu'on dit qu'il faut garder la juste distance, y compris dans le toucher. Vous avez aussi développé des travaux, ou en tout cas des réflexions par rapport à comment je retrouve la proximité, comment je rassure ces enfants? C'est en Oui, lien avec ce que tu expliquais un peu, mais c'est important de... c'est ça. Il faut quand même garder en tête qu'on ne va pas non plus encourager les éducateurs à forcer le contact. C'est sûr que c'est dans la mesure de ce que l'enfant est capable de tolérer, mais effectivement, la question de la distance, on la questionne beaucoup parce que c'était davantage, on dirait, les éducateurs ou les professionnels avaient tendance un peu à se mettre dans un carcan et à s'empêcher de à empêcher des mouvements qui auraient été des mouvements quand même naturels. Alors non, on questionne beaucoup ce principe-là en se disant, ben c'est plus l'idée est davantage de s'ajuster à l'enfant et si l'enfant est capable de tolérer plus de proximité, de lui offrir si l'enfant réclame et semble capable aussi de la digérer, de lui offrir. Hein, c'est toute la question de Robert Marvin qui a étudié avec Mary Ainsworth, je pense que lui parlait de la danse, hein, de l'attachement, que ça, on s'ajuste. Hein, c'est davantage la question de l'ajustement que d'une posture rigide. Hein. J'ai envie de reprendre une expression que Georges nous a partagée, puisque lui, il dit qu'il accompagne des familles en bord de falaise. Donc, c'était vraiment ces familles qui sont en grande difficulté. Et les retours qu'on a pu avoir en France, c'est qu'il y a beaucoup de professionnels qui se sentent des professionnels au bord de la falaise aussi, au bord de ce sentiment de ne pas être satisfait, voire très en difficulté. Et quand je lis tes travaux, tu évoques que l'approche avec l'attachement permet une meilleure compréhension des dynamiques relationnelles, un meilleur décodage des comportements des enfants, et puis un renforcement du sentiment de compétence des professionnels. Je pense que c'est important qu'on soit soucieux de ceux qui prennent soin, parce que c'est cette chaîne de sécurité que tu évoquais tout à l'heure, en fait. Oui, ah oui, tout à fait. Ça, c'était quand on a travaillé justement avec les éducateurs, c'est ce qui est ressorti, à quel point, dans le fond, ça contribuait même à leur bien-être à eux, hein, comme professionnels. Alors, je pense que c'était pour eux une expérience très enrichissante. On était très contents de voir ça. Puis je vous dirais, avec les parents, moi, ce qui m'impressionne à chaque fois qu'on a terminé là, notre projet de recherche au niveau, on a terminé les groupes, on a terminé la collecte de données, les rencontres de recherche. Et très souvent, à la fin d'un groupe, on a travaillé principalement avec des mamans, mais on a aussi eu un groupe de papas parce que les mamans nous ont dit, le dernier groupe, il y a une maman qui m'a dit, moi, je ne pars pas d'ici tant que vous ne me garantissez pas que mon conjoint va pouvoir venir. Alors, on a finalement décidé de faire un groupe de papas parce que pour la recherche, on devait se restreindre aux mamans.
Mais donc, à la, très, très souvent, à la fin, quand on terminait le programme, les mères nous disaient, tous les parents devraient suivre ce programme-là. À l'hôpital, quand on a notre bébé, on apprend au niveau des soins physiques, on a des notions de base, il y a des cours prénataux, mais ça, tout le monde... Alors, c'était très touchant, ce témoignage-là, hein, des parents. Puis, et je pense que c'était aussi parce que, compte tenu de l'approche qui est très accueillante, qui est non-jugeante, qui est très ouverte, les parents... et c'est ce qui est très... Bon, le programme sert de sécurité parentale, je suis une groupie totale, hein. C'est vraiment un programme que j'apprécie, que j'adore, donc c'est sûr, je ne suis pas très, très critique, mais moi, ce qui m'impressionne beaucoup, c'est à quel point il y a quelque chose dans la façon dont il a été conçu qui fait en sorte que ce soit des éducateurs, que ce soit des parents d'accueil, ils arrivent à parler de leurs difficultés avec la plupart, avec beaucoup de facilité. Moi, ça m'impressionne vraiment. Parce que très rapidement, on leur dit, voici le cercle, on leur explique. Bon, ici, on doit encourager l'enfant à explorer. Ici, c'est le temps de l'accueillir, ta, ta, ta. Qu'est-ce qui est plus facile pour vous? Qu'est-ce qui est plus difficile pour vous? Et les parents se lancent d'emblée. Alors ça, c'est pour moi, c'est très impressionnant. Et c'est la base aussi, cette reconnaissance-là fait en sorte qu'il y a un travail aussi qui est possible. Mais moi, c'est vraiment ce qui m'impressionne le plus. Et il y a une autre partie dans le programme où on parle, je parle de l'exploration, le haut du cercle, davantage la proximité, le bas du cercle, mais quand on parle des mains, c'est quand même un peu intense. Hein? On parle de la position parentale qui est d'être plus grand, plus fort, hein, et bienveillant et d'avoir la sagesse de garder cet équilibre-là. Alors, on demande aux parents, bon, et on ne leur dit pas, est-ce que ça vous arrive de perdre cet équilibre-là? Quand vous perdez l'équilibre, c'est de quel côté? Et les parents se lancent. Ça m'impressionne beaucoup, ça. Et on dirait que avec l'attachement, il y a quelque chose, en tout cas avec le programme, mais de façon générale, qui nous met en cause, mais dans le sens où on est davantage en mesure, j'ai l'impression, de faire contact avec notre propre vulnérabilité, nos propres difficultés, nos propres défis, et souhaitons-le que ça se fasse dans un climat de confiance et de bienveillance. Alors, ces ingrédients clés-là, moi, m'impressionnent beaucoup. Et j'ai l'impression que ça crée vraiment une base très, très favorable à tout le travail. Il y a une partie éducative, mais toute la partie du travail thérapeutique aussi. Oui, j'ai retrouvé dans tes travaux beaucoup de publications sur justement cette notion de mentalisation ou de fonction réflexive, hein, c'est-à-dire comment, dépassant le jugement, pour pouvoir justement se connecter à ce sentiment interne d'insécurité, on peut ensuite, et ça c'est vraiment ce que j'imagine ouvrir vers le travail thérapeutique, ce que tu as pu publier sur cette notion de mentalisation ou de fonction réflexive. Mais tu peux nous en parler un peu, puis la définir peut-être, comme ça, ça oui. sera... Bien, dans le cadre, c'est intéressant de s'y pencher vraiment dans le cadre parental, hein, je dirais, comme pour caricaturer un peu, c'est qu'on souhaite, quand on travaille avec les parents, vraiment avec une approche de mentalisation, les aider à regarder leur enfant au-delà de ses comportements, hein, donc de s'intéresser à ce qui motive, ce qui... déclenche les comportements, donc les états mentaux, beaucoup effectivement les émotions, les pensées, les intentions. Donc, c'est vraiment d'essayer d'enrichir cette compréhension-là et de sortir aussi des étiquettes. Hein, ici, au Québec, on a des étiquettes de troubles, de déficit de l'attention. Donc les étiquettes, les traits de personnalité, les comportements, pour essayer vraiment d'élargir donc la perception, la compréhension. Et dans le cadre du programme Cercle de sécurité parentale, c'est vraiment en favorisant justement davantage de mentalisation chez le parent, donc une prise en compte de ce qui se passe à l'intérieur de l'enfant, qu'on pense que le parent va être davantage en mesure de répondre aux besoins d'attachement. Mais c'est avec, quand on travaille au niveau de l'attachement, c'est la mentalisation, mais je vous dirais qu'elle est un petit peu plus restreinte dans le sens où, dans le programme, en tout cas, on est
toujours, on est toujours en train de chercher des éléments, mais vraiment liés à l'attachement, alors que la mentalisation, ça peut être quand même plus large. Mais ceci dit, ce qui est très intéressant, c'est qu'on a dans cette grande étude, c'est une étude qui est quand même assez ancrée dans la pratique. Ce n'est pas une si grande étude, mais pour moi, c'est notre grande étude. Et ce qu'on est en train de voir à partir d'un petit sous-groupe, c'est qu'effectivement, nos mamans qui ont suivi le programme montrent une augmentation de leur fonction réflexive ou de leur capacité de mentalisation. Donc, on est très, très, très content en se disant, bon, bien, là, on a réussi à créer davantage de mentalisation, à favoriser davantage de mentalisation. Maintenant, ce qui nous reste à voir, c'est est-ce que, comme souhaité, ça l'effet escompté sur les enfants. Est-ce que ça favorise davantage de sécurité d'attachement chez les enfants? On regarde ça dans les prochains mois avec un sous-échantillon. Pour ce qui est du grand échantillon, bien, on est encore en train d'analyser les données au niveau de la fonction réflexive. Et ça, bon, on a des résultats très probants au niveau du sous-échantillon et on a quelque chose de semblable donc au niveau du grand échantillon. Donc, on est très contents, ça veut dire. Et c'est sûr que ça, c'est avec une population, avec des mamans de la population générale. Hein, donc, il faut penser éventuellement à comment on est en mesure d'aider des familles davantage en difficulté. Ça, cette réflexion-là doit se poursuivre. Mais d'abord, on avait besoin de tester le programme avec une population générale. Surtout, bon, comme vous parlez, avec le programme francophone est quand même seulement disponible depuis quelques années, là. Oui, donc cette étude, tu la présenteras de manière plus approfondie lors du colloque, justement sur ces résultats préliminaires au Québec, mais qui sont effectivement source d'informations précieuses par rapport à cette notion d'intervention précoce. Nous, oui, en France, on vient d'être un peu plus sensibilisés avec la commission des 1000 jours en particulier, qui vient témoigner ou en tout cas s'intéresser de manière un petit peu plus focussée sur cette période sensible de la construction finalement des stratégies d'attachement avec plus de conscience de son impact sur l'ensemble de la trajectoire développementale. Et c'est sûr que ces interventions précoces comme le cercle de sécurité sont aujourd'hui vraiment à valoriser, à mettre au travail d'une certaine manière pour accompagner la santé mentale des enfants et plus tard des adultes. Donc j'imagine que c'est aussi l'éthique de ce cercle de sécurité, de ce programme. Tout à fait, tout à fait. Oui, c'est vraiment la visée. Et c'est un programme qui a effectivement une visée préventive. Il va falloir regarder ensuite les aménagements à faire parce qu'on avait d'une part le programme intensif original qui est quand même assez exigeant en termes de ressources et tout ça. On a le programme cercle de sécurité parentale qui est plus bref, plus accessible, mais qui a quand même été développé pour une population à faible risque. Donc, il faut penser à des aménagements. Hein, et une des pistes qu'on souhaite explorer, c'est, par exemple, que le programme soit comme une base et qu'ensuite, on puisse, par exemple, utiliser la rétroaction vidéo, un peu comme le programme d'intervention relationnelle, hein, qui permet vraiment de personnaliser encore plus le travail. Et on sait aussi que de se voir sur vidéo, ça vient vraiment favoriser hein, ce recul-là et justement toute la capacité de mentalisation. Donc, ça fait partie des pistes de recherche future. C'est super parce qu'en fait, ça va être notre programme de l'après-midi du colloque, puisque Georges Tarabulsi interviendra avant toi sur justement l'intervention relationnelle et comment ça a pu avoir un impact sur ce sentiment de compétence parentale et plus profondément sur cette posture parentale. Et puis toi, ensuite, tu nous présenteras tes travaux sur le cercle de sécurité. Donc voilà, c'est notre petit teaser à nous pour le 5 mars. J'ai une question un peu plus qui tombe pile par rapport à notre échange sur l'adaptation dans le champ de l'adoption. Parce que effectivement, la théorie de l'attachement, elle questionne, tu l'as dit, une figure d'attachement qui est bien au-delà du biologique et sa mise en application dans l'adoption
En tout cas, nous, on le fait à l'Institut, mais j'imagine que vous avez travaillé dessus aussi. Oui, mais moi, j'ai déjà eu en cabinet privé, j'ai travaillé avec justement avec quelques familles, mais je n'ai pas de travaux là, pour l'instant. Mais ce que je retiens beaucoup, c'est très utile de parler d'attachement avec les parents d'accueil parce qu'entre autres, une des choses, et c'est drôle justement, une des consultations que je faisais cette semaine, la maman avait un peu les mêmes mots. Les parents, des fois, les parents adoptants sont surpris de constater l'insécurité qui perdure chez l'enfant adopté. Et des fois, une de leurs réflexions, et j'avais donc une maman cette semaine, elle est famille d'accueil, mais qui avait la même réflexion. L'enfant se permettait de parler de sa peur encore, qu'il y ait des coupures, qu'on le laisse tomber, qu'on l'abandonne. Il a dit, mon Dieu, comment ça se fait qu'on n'a pas réussi encore à te rassurer? Alors, tout ce travail-là hein, de comment les ruptures précoces aussi marquent les enfants et comment ces blessures-là sont longues à cicatriser, vont continuer à marquer ces enfants-là. Et avec les familles adoptantes, c'est pas simple hein, parce que il faut... Pour les parents, on dirait que la mission est encore plus complexe hein, parce qu'elles doivent aider les enfants à surmonter toutes ces blessures-là. Hein. Et à ce moment-là, je pense que le travail aussi sur soi comme parent est important. Je pense que ça devient un peu... Je pense que ça devient un peu incontournable. Et de toute façon, c'est les échos que ça va créer, hein. On peut bien dire, oui, les enfants placés, les enfants adoptés ont l'angoisse d'abandon, ont vécu du rejet. On a tous vécu des rejets, de l'abandon, des pertes. Alors, c'est passé, hein, ce détour-là, d'après moi, peut être parfois douloureux, mais nécessaire. Et ça fait en sorte aussi, ça aide ces figures parentales-là à connecter davantage avec la souffrance des enfants dont ils ont la charge. Hein. Nous, à l'Institut, on accompagne aussi beaucoup de parents qui se séparent. Et donc, la séparation des deux figures d'attachement avec lesquelles l'enfant vivait sont autant de domaines dans lesquels, effectivement, on trouve une pertinence à expliquer dans des mouvements de psychoéducation, ben justement, ce besoin de sécurité, cette base de sécurité qui se transforme en havre de sécurité et qui vient réconforter l'enfant. Mais c'est vrai que la séparation est aussi un enjeu attachement informé. Oh que oui. Et c'est compliqué parce que souvent, il y a les parents, ou en tout cas souvent, il y a davantage un des deux parents, parfois, qui est très souffrant, qui est très impacté par la séparation. Et c'est tout un défi ensuite de distinguer ses propres besoins de ceux de son enfant. Oui, ah oui, oui. Oui, tout à fait. Et moi, je fais très peu d'expertise à la cour, mais des fois je me laisse un peu prendre quand il y a des situations où on pense à des gardes partagés pour des nourrissons, pour des très jeunes enfants, ouais. Surtout dans le cas où c'est davantage un parent qui a été la figure d'attachement. Alors ce sont des situations là, qui me questionnent beaucoup là. Effectivement, donc toute la notion d'attachement dans les cas de séparation, c'est encore là essentiel à considérer. Oui, nous aussi on est très sollicités avec les séparations de parents d'enfants très jeunes et le souhait des figures d'attachement qu'on comprend hein, de pouvoir passer du temps. Sauf que le besoin de sécurité de l'enfant prime sur les premières années. L'enfant seul ne peut pas réguler sa sécurité interne. Il a absolument besoin de ses figures d'attachement. Et le jeune âge est source d'inquiétude et de préoccupation. Ça relève vraiment ce que tu dis. Donc finalement, il y a plein de manières de mettre en œuvre la théorie de l'attachement dans nos pratiques. Ce ne sont pas les occasions qui manquent, effectivement. Sans en faire un dogme, je pense que ça ne veut pas dire qu'on ne considérera pas d'autres éléments, par exemple, les éléments neurodéveloppementaux, mais je pense que c'est comme pour moi, c'est comme une base assez fondamentale.
Oui, moi je te rejoins sur cette notion de socle qui nous donne justement cette rigueur scientifique pour pouvoir lire, mais vraiment dans une vision intégrative et pas dogmatique. C'est pas pour effacer, mais c'est pour enrichir, compléter, élargir, élargir notre lecture. Et tu parlais de cases, on a les mêmes, hein, on utilise les mêmes, les TDAH, les TOP ou autres. Et nous, à l'Institut, on a décidé d'avoir une lecture clinique attachement informé qui n'exclut en rien d'autres modalités d'intervention. Mais on arrive à travailler ensemble parce que sur la situation, on va avoir une évaluation plus précise du fonctionnement relationnel. Et effectivement, on a décidé de centrer nos interventions sur la relation. C'est de la relation dont on prend soin, en fait. Donc, et c'est vraiment, ça change réellement les pratiques. Oui, tout à fait, chapeau. On essaye, en tout cas, c'est vraiment passionnant à faire. On a décidé, dans ce prochain colloque, d'aborder justement soutenir et valoriser les compétences parentales, c'est notre grand titre, qui vient questionner certaines pratiques qu'on a pu avoir pendant des années où on s'est dit, on va plutôt regarder ce qui dysfonctionne et compenser ce qui dysfonctionne. Et avec la théorie de l'attachement, alors Nicole Guédonnet parle du confetti positif, c'est de se dire, on va finalement, c'est pour ça que tu parlais d'inverser le paradigme, on va regarder ce qui marche et soutenir ce qui marche. Et c'est réellement un questionnement profond de nos pratiques, en tout cas en France, où on a vraiment été habitué à compenser les dysfonctionnements. Donc c'est vraiment cette ouverture, je pense, que tu peux nous partager aussi sur soutenir et valoriser les compétences. Ce qui me dit, j'ai mené deux études sur les effets de la formation parce que bon, le programme, donc comme toi quand tu es venu nous rendre visite au Québec, les personnes qui veulent offrir le programme doivent d'abord s'y former. Et on a voulu regarder quels étaient les impacts de la formation chez les professionnels. Et ce qui était assez intéressant, on a utilisé, et avec les questionnaires, on n'a pas eu des résultats très, très probants. On essaie de regarder justement en termes de mentalisation, mais les questionnaires ne sont pas tout à fait encore au point. La capacité d'empathie, mais elle est déjà élevée chez les professionnels. Mais ce qui a été très révélateur, c'est qu'on proposait une brève vignette aux professionnels qui illustrait une interaction mère-enfant très, très, très conflictuelle. Et on leur demandait en quelques lignes de nous décrire quel était le problème à leur avis. Et c'est vraiment, on leur faisait faire ça, on leur faisait remplir tout ça avant la formation et après la formation pour se rendre compte que un des grands changements observés, c'est que suite à la formation, les professionnels exprimaient beaucoup moins de commentaires négatifs et jugeants vis-à-vis la figure maternelle de la vignette. Alors ça nous est apparu comme quelque chose d'assez intéressant à considérer. Parce que justement, comment on peut soutenir et valoriser les compétences si d'emblée, on est très critique, on juge les parents, on trouve que ce sont des mauvais parents qui n'ont pas ce qu'il faut, etc., etc., ils vont le sentir. Alors, et c'est pour ça tantôt quand je parlais de la question du processus parallèle, il semble que justement la formation aide les professionnels à changer un peu leur vision des parents. Hein? Et au lieu de dire cette maman-là... cette maman-là manque de sensibilité, cette maman-là n'a pas de discipline, cette maman-là ne comprend pas son enfant, de dire cette mère-là a de la difficulté à soutenir son enfant dans ces moments-là. Donc, vraiment d'avoir une perspective davantage soutenante, empathique. Alors ça, c'est une autre clé là, très, très importante, je pense. Et quand on a même fait une autre étude très semblable et on a eu les mêmes résultats, que vraiment toute la notion des critiques et des perceptions négatives vis-à-vis la figure maternelle dans une vignette se modifiait, diminuait beaucoup, beaucoup. Et l'autre chose, et c'est sûr que ça se passe un peu en même temps, c'est qu'à mesure que les professionnels aussi apprennent davantage à utiliser
le modèle de l'attachement, bon, mais c'est une formulation justement qui est davantage empathique et sensible et qui comporte moins de jugement. Donc, on a une augmentation de l'utilisation des concepts liés à l'attachement pour expliquer. Pour expliquer cette situation-là clinique, et on a une diminution donc du blâme, du jugement, des critiques. Donc, on était très contents de voir ça, mais ça parle de l'importance. Et il y avait des collègues qui nous disaient, mais là, comment ça vous allez regarder des gens, les professionnels qui travaillent avec les parents ne vont pas les juger, les critiquer? On a dit, bien, attendons voir. Et c'était effectivement le cas. Et cette notion de jugement, c'est important parce que tellement de parents l'évoquent. Et c'est important aussi de distinguer que ce qui vient à être questionné, c'est les capacités de caregiver du parent, donc de pouvoir réconforter l'enfant, lui apporter la protection, et ça ne questionne pas le sentiment d'amour, c'est vraiment quelque chose qui est distinct. Et oui. je trouve que de pouvoir distinguer ces deux dimensions vient aussi nous aider par rapport à cette posture professionnelle. Donc je ne viens pas questionner l'amour, mais je viens questionner votre propre sentiment de sécurité et cette capacité de pouvoir réconforter. Il y a souvent un amalgame entre je suis attachée à mon petit chat parce qu'il est super gentil, mais je ne parle pas théorie de l'attachement en fait. Oui, oui, c'est ça. Oui. Et c'est de là justement quand on a réalisé cette étude-là, pour moi, ça c'est venu vraiment renforcer cette idée-là du processus parallèle, c'est-à-dire que les professionnels qui vont travailler avec les parents, les figures parentales, veulent transmettre cette empathie, cette sensibilité-là, cette ouverture, ce caregiving-là, pour qu'ensuite ça soit mieux transmis aux enfants. Donc, c'est incontournable, je pense, de le penser en termes de processus parallèle comme ça. Alors, il y a plein de questions sur le cercle de sécurité, donc c'est bien, on va donner sûrement quelques petites réponses, mais je ne peux que vous inviter à nous rejoindre pour le colloque où Claude aura du temps pour vraiment expliquer le contenu de ce programme. Quelques petites questions. Le programme se décline-t-il en intervention individuelle ou en intervention collective? Il a été conçu pour pouvoir être offert en groupe, mais ce n'est pas une obligation. C'était, je pense, davantage une préoccupation de pouvoir l'offrir au plus grand nombre possible. À l'origine, c'est comme ça que le programme avait été créé. C'était comment aider des parents quand on n'a pas énormément de ressources, là. Mais oui, il y a beaucoup de gens qui l'utilisent en individuel ou même avec les couples parentaux. Donc, ce qui est intéressant, c'est que c'est facile de l'utiliser en groupe et c'est donc, ça permet une plus grande diffusion. Mais oui, on peut tout à fait l'administrer en individuel ou avec le couple parental, par exemple. Une autre question, est-ce qu'il y a une possibilité de l'appliquer dans le cadre professionnel? Alors, je ne sais pas si ça concerne le professionnel ou de le mettre en œuvre en institution auprès d'enfants, mais peut-être qu'on peut donner les deux réponses, mais... Bien, comme je disais, nous, c'est un programme qui a été conçu pour les figures parentales. Nous, on a justement un autre projet de recherche où on a travaillé avec des éducateurs. Je vous avais parlé un peu le projet pilote qu'on avait mené avec une équipe d'éducateurs. Ensuite, on a, l'année dernière, travaillé avec une autre équipe. Donc, on a travaillé avec des éducateurs comme en tant que figure parentale. Donc, de la même façon qu'on offrirait le programme à des parents, on l'a offert à une équipe d'éducateurs. Alors, je ne sais pas si c'est ça la question, mais oui, on peut travailler avec des professionnels qui sont en situation justement de caregiving, là, qui font office de figure parentale. Est-ce que ce programme, dernière question sur le programme, s'inspire des thérapies orientées solutions? Non. Et ben voilà. C'est très clair. Oui, c'est très. Non, c'est vraiment. L'approche est davantage de. L'accent est vraiment mis sur mieux cerner ses forces, mieux cerner ses difficultés, ses défis et réfléchir, faire ce travail de réflexion-là. Donc, oui, enfin, on espère que ça va donner des pistes, mais on n'est pas axé sur la solution en tant que telle, mais plus sur vraiment tout le travail de réflexion, ce processus-là de réflexif. Je pense que c'est un point important à préciser et c'est au-delà du cercle, je pense que c'est aussi l'attachement qui nous aide à penser ça. Et dans le champ très large qu'est la parentalité aujourd'hui, qui est investi par beaucoup d'approches,
je trouve, en tout cas dans mon exercice, que la théorie de l'attachement nous permet de faire un pas de côté et de ne pas rentrer dans des solutions ou dans des notices, parce que la relation, elle est unique. Que quand on a plusieurs enfants, on se rend compte qu'ils sont différents, qu'on n'est plus les mêmes caregivers quand ils arrivent. Et moi, je parle souvent qu'on peut donner des clés pour ouvrir des portes, mais qu'il y a que chacun dans son individualité qui peut le faire. Donc, c'est tout ce travail de mentalisation que tu as évoqué tout à l'heure qui est important. Et puis sur aussi, peut-être on n'a pas forcément parlé, mais sur la sensibilité parentale, c'est-à-dire comment je peux percevoir, parce qu'il y a des parents, ça c'est une autre question qui est arrivée, comment on fait quand on a nos propres blessures, quand on a nos contraintes, quand on n'est pas forcément dans la même longueur d'onde entre parents, et là on voit aussi comment tout ça, ça vient se questionner, je pense, d'une certaine manière. Oui, ben, mais c'est pour ça qu'au sein du programme, on invite les parents à faire ces allers-retours-là entre leur propre expérience en tant qu'enfant, à quel point ça les a façonnés aussi comme parents, hein, qu'on apprend à être parent de l'intérieur et à travers notre expérience. Oui, donc, il y a tout ce travail-là de réflexion qui est très important et qui est, qui peut être souffrant par moment, mais je vous dirais qu'il est habituellement tolérable, étonnamment. C'est ce que j'observe jusqu'à maintenant. Parce que c'est vraiment dans l'idée où quand on réussit à créer vraiment par exemple dans le groupe ou dans cet accompagnement-là, encore là, vraiment un climat de sécurité, ça va être une des clés essentielles. Oui, je pense que je te rejoins sur l'observation plus empirique, hein, mais de se dire que cette souffrance qui n'a pas trouvé de sens, finalement, quand on peut l'éclairer, elle n'est pas confortable du tout, mais elle est plutôt libératrice, en fait. Oui. Quand j'ai fait la formation aux États-Unis, la formation initiale pour le programme intensif, c'était vraiment, il y a cette phrase-là dans le programme, on est bienvenue dans le club. Moi, ça m'avait beaucoup marqué parce que je peux avoir ce petit côté-là des fois un petit peu défensif, et de se dire, ben, on dépense tellement d'énergie à ne pas vouloir montrer qu'on est vulnérable, que des fois on souffre, qu'on voudrait plus se sentir davantage apprécié, davantage aimé, mais on est tous dans le même bateau. Alors, juste ça, ça a quelque chose, hein, un petit peu d'apaisant. Alors, c'est un peu ce qu'on essaie, je pense, de créer comme atmosphère dans les groupes, de dire, ben, on peut parler de sa vulnérabilité dans un climat, justement, de sécurité. Et de vivre l'expérience d'être reçu, d'être accueilli, toute la co-régulation finalement. C'est presque, j'ai envie d'en faire un parallèle par rapport à ce qu'on vit en termes de crise sanitaire. On est tous dans le même bateau et qu'il y a quelque chose qui nous questionne sur les relations qu'on a les uns avec les autres, comment on les nourrit, c'est ce que tu disais, ça manque, hein, vous aussi, vous êtes en couvre-feu, vous n'avez pas fêté Noël en famille, et on voit comment cette distanciation physique vient quand même nous toucher, nous éprouver, oui. et que de s'imaginer, ben voilà, il est 8h ou 9h du matin, vous êtes là-bas, outre-Atlantique, et pourtant vous vivez la même chose, et dans ce sentiment d'insécurité. Donc je trouve que ouais, ça justifie qu'on y pose aussi cet éclairage. Peut-être que ça peut nous aider pour traverser cette période. Oui, de pouvoir en parler, de pouvoir échanger, hein, là-dessus. Mais effectivement, l'attachement, c'est pas seulement les contacts physiques, mais on se sent tous un peu carencés, là, à pas ouais. pouvoir faire de câlins à part dans notre bulle, hein. C'est très, oui, il y a quelque chose, hein, qui crée beaucoup de manque, hein. Oui. Eh bien, cette heure de partage se termine. Ça a été un plaisir. Je ne l'ai pas vu passer. J'avais l'impression d'être avec toi. J'espère que tous ceux qui nous ont suivis
ont appris de nos échanges et puis et se sont nourris, puis on nourrit ce lien parce que je te rejoins sur l'aspect très précieux qu'il a et qui justifie qu'on en prenne soin. Donc, je suis ravie d'avoir passé ce temps avec toi, Claude. Je te remercie de ta présence. Et puis, on se retrouve le 5 mars un peu plus tard. Tu auras plus de temps le matin. Georges sera plus matinal, mais c'est son heure à lui. Donc, voilà, on aura les différentes temporalités. Je te remercie infiniment. Puis, je te souhaite une belle journée parce que pour toi, elle commence sous la neige. Ben merci, ça m'a fait un grand plaisir et j'ai bien hâte qu'on puisse poursuivre les échanges. Oui, et puis on a le projet aussi de formation hein, du cercle en France, parce que jusqu'alors, c'était pas encore arrivé chez nous et on y travaille. Le Covid nous a un peu freinés, mais ça reste dans un coin de nos têtes. En tout cas, là, on y participe d'une manière un petit peu adaptée, mais c'est déjà beaucoup. Donc, je te remercie vraiment. C'était un plaisir, Claude. Merci beaucoup de ta disponibilité. Et au revoir tout le monde. Et puis, rendez-vous avec Susanna Terreno, du coup, le 12 février, sur aussi toujours l'attachement, comment ça vient questionner, et puis les connaissances de Susanna sur tous les programmes internationaux. Merci, Claude. Merci. Au revoir. Au revoir.